investire in modo serio. È la cravatta che ti sei messa per venire qui in trasmissione. È il maglione che tu porti così che sei un attore e non sei un ospite esterno. Esattamente, è l'osservanza. È l'osservanza di alcuni modelli. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque-là, de quand Umberto Eco était jeune, il avait 30 ans et il commençait un peu dans le monde culturel milanais? Il y avait souvent dans les congrès de philosophie et dans le moment d'ennui, parce que dans un congrès, il arrive souvent qu'il y a des moments d'ennui, il avait écrit une petite histoire de la philosophie dont le contenu était irréprochable, mais dans une forme de continue. Un rime e che te, croyez-moi, irresistibile. Il arriva che Monsieur Valentino Bompiani è un grande editor. Lì c'est bouquin che quelqu'un gli aveva e gli ha dit j'ai pu connaître ce monsieur e immédiatement Valentino va lui offrir un travail d'éditeur, directeur littéraire. Alors, Paolo Fabbri, tu vas plutôt nous parler justement de ce passage, le moment où Umberto Eco y devient écrivain. Et je voudrais partir avec une affirmation de Umberto Eco, qui n'est pas récente, mais quand même ça date du temps. On lui avait demandé, comme d'habitude, qu'est-ce que vous pensez du nom de la rose, etc. Alors, il a dit, je hais les noms de la rose. Et Eco a rempli ce roman des noms de ses copains. Et je peux le dire, c'est pas parce qu'il y a un traducteur, non. Il y en a un qui s'appelle Paolo da Rimini, qui s'appelle Doctor Agraficus par son incompétence dans l'écriture. C'est vraiment agréable. Tout ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'Eco parlait des hérétiques, mais il ne parlait pas que des hérétiques du Moyen-Âge. Il parlait de la politique italienne dramatique, de ce moment terrible de l'histoire italienne. Il a commencé à écrire en 78, hein, il a été publié en 80, 78, en pleine époque des conflits avec Prima Linea, Brigate Rosse, etc. Je voulais inviter Jean-Claude Fasquel, qui était longtemps à la tête des éditions Grasset, qui a publié tous les livres d'Umberto Eco ici en France, si vous voulez nous dire son souvenir. Je suis tombé l'autre jour sur proverbe africain que René de Malga cite en conclusion de la préface de son dernier livre. Ce proverbe, je ne peux pas m'empêcher de le citer ici, c'est « Mon ami n'est pas mort puisque je vis encore ». Nous nous sommes connus à la foire du livre de Francfort dans les années 60. Tout le monde que j'ai connu, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il te ressemble quand même. Umberto, il est adoré par les Français, détestait pas le whisky. Nous étions à peu près du même âge. Nous avons vécu la guerre sans devoir la faire, mais les yeux grands ouverts. Il avait chanté Giovinette, ça, moi j'ai chanté Maréchal, nous voilà. Et nous nous sommes réveillés à 15 ans dans un pays de résistants pur et dur, aux accents de Belachal ou d'International. Je voulais demander de passer à un autre extrait où on verra une autre facette d'Umberto Eco, plus récent. Et l'épisode del bambino di 5 anni che si ostinava a far scorrere il dito su una foto di giornale per ingrandirla è soltanto segno di una transizione. Et surtout ici, traducteur de tous les romans d'Umberto Eco. Je lui avais dit, j'aime pas quand l'auteur met le nez dans une traduction. Et d'ailleurs, j'avais fait des conférences avec Umberto quand je dirigeais l'Institut français de Naples, et on avait bien ri parce que j'avais dit je préfère quand l'auteur est mort. Alors, il était à côté de moi. Ouais. Alors, j'ai passé vraiment plus de 30 ans de ma vie avec les textes d'Umberto et c'était des années merveilleuses. Préparer un dossier de quelques dizaines de pages qui est un trésor de culture, d'humour, etc. pour donner à ces traducteurs les informations supplémentaires pour trouver éventuellement des alternatives. Que je n'ai jamais vu autant heureux, on était à l'ambassade de Hongrie, et il avait fait venir une bonne partie de ses traducteurs.
Et il était au milieu de nous, mais sans doute comme le Christ au milieu des apôtres au moment des langues de feu, vous voyez. On est en train de parler de traduction, je vais inviter tout de suite Myriam Buzer, qui a traduit les essais. Umberto était passionné par la traduction, tout bonnement parce qu'il était lui-même traducteur. J'ai passé des moments délicieux avec Umberto très longtemps pour essayer de voir, parce que le petit dossier dont tu parlais pour ces traducteurs, Mario, c'était que Umberto était un cibliste, pas un sourcier, c'est-à-dire qu'il voulait que le lecteur étranger comprenne le fond de son personnage. J'étais en train de créer un fond Umberto Eco. C'est-à-dire que grâce à la famille, grâce à Stefano Eco qui est là avec nous, on va faire la même chose qu'on a fait pour Italo Calvino, c'est-à-dire on va récolter, réunir, cataloguer, classifier, classer, pardon, l'ensemble des traductions. Ho lavorato per circa 25 anni con Umberto. J'ai travaillé pendant 25 ans avec Umberto. Su un aspetto che fondamentale dei suoi interessi, della sua curiosità. Sur un aspect fondamental de ses intérêts et de sa personnalité. Come le nuove tecnologie possono aiutare a trasmettere sapere e conoscenza alle nuove generazioni. Comment les nouvelles technologies peuvent aider à transmettre le savoir et les connaissances aux nouvelles générations. La chose que je peux dire, c'est qu'il faut continuer de lire, parce que je pense qu'en lisant ces livres, ces essais, ces articles, ces romans, on a toujours quelque chose à découvrir au-delà du plaisir de la lecture. Voilà, merci beaucoup et au revoir.